Coucou mes beautés. Bon, on va faire à nouveau un petit embellissement. Alors, j'ai avec les petits moulages, enfin, pas les moulages, la pâte de chez Action. Hein. Alors, moi, j'avais déjà fait des petits moulages il y a, bon, il y a pas mal de temps, regardez. Mais là, ce que je voulais, c'était vraiment la teinter. Donc, j'ai utilisé cette peinture, vous voyez? Ben, ça va super bien. Vous voyez, j'ai encore le pinceau, je n'ai même pas encore nettoyé et tout. Bon, ça sèche vite. Hein. Et de, vous voyez le rendu. Alors, j'aime beaucoup, ça fait vraiment un rose très pâle. Et j'ai fait aussi la petite cafetière, en fait, vous voyez. Voilà. Ça, j'utiliserai ultérieurement. Bon, alors, donc, nous, on va faire un petit cadre. Alors. Pour le, comment dire, pour le matériel, on va prendre une petite chute de papier. Moi, je voulais faire des petites roses. Bon, ça, c'est le bloc de chez Action, hein, le bloc de papier de chez Action. J'ai pris ça, donc mon petit cadre. J'ai pris des petits pistils dans les tons de. Bah, ils sont ouais, vieux roses. Ouais. Bon, ça, c'est très, très vieux. Je l'avais acheté sur AliExpress. Je vais mettre un petit bout de dentelle. Pour le tour, hein, l'encadrement. Ici, une petite rose hein, que j'ai découpée. Et ici, au dos, je vais mettre ici, comme je vous disais donc la dernière fois, pour la petite finition au dos, j'aime beaucoup. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à faire chauffer mon pistolet à colle. Alors, ça ici, je vais le mettre là. Et voilà. Alors, et j'ai pris. Ah oui, j'ai pris aussi du. Alors, ça, c'est les. Comment on appelle ça? Pour la plastifieuse. Le papier pour la plastifieuse. Pour que ça fasse un petit côté un petit peu. Un petit côté brillant, en fait. Hein. Bon. Alors, je vais donc en premier ici. Je vais déjà ici faire mon petit. Enfin, mon petit décor, façon de parler. Hein. Attendez voir. Il hein, faut que je réfléchisse avant. Je vais coller déjà, voilà, c'est ça. Donc déjà, dans un premier temps, je vais coller donc ici mon papier transparent. Attends, je sais pas pourquoi je prends un grand bout comme ça. Voilà. De toute façon, je vais refaire un autre petit embellissement avec ma petite cafetière. Alors, voyons voir la colle que je vais utiliser. Alors, la colle que je vais utiliser, ça va être simple. Je vais prendre du double face ou ouais, du double face. Parce que de toute façon, ici, on aura mon petit cadre. Donc, dans un premier temps, je vais faire ça. Donc, je mets mon double face. Voilà. Alors, ici. J'en avais. Ah oui, le derrière. J'allais dire, j'en avais un tout petit. Voilà. Et par contre, la prochaine fois, il faudra qu'on fasse la carte. Hein. Ah oui. Je vous avais dit en plus qu'on allait faire ensemble le petit tuto carte. Et puis, bah, je me suis laissée prendre par des bosses. J'ai eu envie, en fait, de faire des petits embellissements. Du coup, donc, je suis en période d'embellissement. Allez, je vais prendre un petit pic-pic. Donc, moi, vous voyez, j'ai mis du double face juste. Voilà. Hein, sur l'encadrement, je vais mettre comme ça, peut-être que c'est plus facile. Ouais. C'est plus facile à retirer. Hop là. Voilà. Alors.
Et voilà, comme ça, au moins, vous voyez, on ne voit pas de traces de colle. Voilà, comme ça, c'est parfait. Alors, moi, je vais prendre ce côté-là. Attendez, il faut que je regarde. Ça, c'est pas mal aussi, hein, parce qu'il y en a plusieurs, vous voyez. Après, je choisis un petit... Bah, écoutez, je pense que je vais prendre ce côté-là. Je vais prendre ce côté-là. Et je vais mettre ici, alors bien sûr, comme déjà le papier, vous savez que j'aime pas trop, moi, charger. Hein, quand je fais une petite, enfin, que ce soit une petite créa ou autre, j'aime pas du tout quand il y a plein, plein de... J'aime pas charger du tout, du tout. Donc là, comme c'est un papier fleuri, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, je vais prendre mes petits pistils. Alors, j'en ai pris combien? Je vous dis 1, 2, 3, 4. J'en ai pris 5. Parce que je ne veux pas non plus que ça remplisse tout le cadre hein, non plus. Hein. C'est juste pour faire un petit peu de déco. Voilà. Alors, ici, je vais mettre là. Attendez voir, ici. Et mon cadre, il va venir comme ça. Attendez, il faut que je me mette devant, là, parce que sinon, je vois pas du tout. Non, bah ça, c'est bien comme ça. C'est très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller l'encadrement direct, vous voyez. Je vais regarder déjà si je mettais un petit bout de... Comment? Un petit bout de... Bon, c'est pas grave, je vais lâcher et... Hop. Comme ça. Ce que je veux que ça soit... Je veux pas que ça soit... Je veux que ça se... Comment dire? Ça parte un petit peu comme ça sur... pas sur tout le cadre, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux pas que ça reste comme ça figé, quoi. Je veux dire... Je veux qu'il y ait un petit mouvement, en fait. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je vais le refaire. Alors, il est où mon cadre? Je vais mettre comme ça. Et... Là... Et avec le petit morceau de double face, ça va me permettre de repositionner s'il le faut. Attendez, hein, je vous montre. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, hop, j'ai mis mon petit morceau de double face comme ça. Et après, je vais voir ici avec mon petit cadre ce que ça va donner. Vous voyez, je vais baisser un petit peu les pistils. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que ça va donner? Ah, bah, c'est pas mal comme ça. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais resserrer un petit peu. Voilà. Ah, bah, voilà. Voilà, bah, écoutez... Et je couperai après, bien sûr. Voilà, alors. Est-ce que c'est chaud? Ça a l'air d'être chaud. Hein. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se promène. Non, ça va. J'ai l'impression que la colle... Oh non. Je vais dire, j'ai l'impression que la colle n'était pas assez chaude. Il faut vraiment que ce soit bien, bien chaud. Non, non, ça va.
Ça va. Donc, vous voyez, attendez, je vous montre quand même. Hop, voilà. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant couper. Oh, je vais peut-être mettre le. Je vais mettre la petite rose. Alors, je vais mettre ici, donc, la petite rose. Je vais la mettre ici, là. Juste ici, attendez. Attendez voir. Comme ça, ouais, là c'est bien. Voilà. Maintenant, bon, on va découper. Je vais prendre cette paire de ciseaux. Et puis après, avec ce petit embellissement, bah c'est pareil, on peut, comment dire, le mettre sur une petite créa ou sur un, je vais dire même sur une tranche d'album aussi. Bah oui, parce que c'est pas très large en fait, hein. Voilà, donc on a ici, regardez, nos petits pistils. Dans le petit cadre. Alors maintenant, on va mettre donc celui-ci, vous voyez, je vais le garder. Voilà. Et attendez, je vais peut-être mettre peut-être le coller tout de suite en fait. Voilà, puis après je verrai. Vous voyez ici, regardez, celui-ci. Je vais mettre ma petite cafetière. Voilà, vous voyez. Bon, après celui-ci, je le ferai plus tard. Hein. Alors maintenant, on va coller notre petit dentelle. Je vais commencer par ici. Parce qu'il y a un petit. Je vois qu'il y a un petit morceau là. Hop là. Alors, je vais rabattre un petit côté comme ça. Vous voyez, je vais prendre mon petit. Oh là là, c'est embêtant parce que je l'ai coupé en deux, ce petit morceau de dentelle, et automatiquement après, il y a tous les petits. Il y a les petits fils qui se promènent un petit peu partout. Hein. Ah bah dis donc, on va y arriver. Hein. Non, bah non. Non, puis j'ai les mains sèches, vous voyez, alors tous des petits trucs comme ça accroche. Bon, alors je disais. Sur mon petit morceau de dentelle, de ce côté-là. Donc, je vais rabattre ici un petit côté, vous voyez. Voilà, je vais faire ça juste comme ça voilà, pour que ça soit plus joli. Hein. Alors, ici. Et encore un bout de fil. Oh là là. Voilà, puis après, bah, comme de toute façon, là, c'est froncé. J'ai pas besoin de m'embêter à pincer comme je fais à chaque fois, vous voyez. Ici, par contre, je vais faire mon petit arrondi. Bah, je crois que j'ai parlé trop vite parce que justement, regardez, la laine, la. Ah bah voilà. Ça s'est défoncé en fait. L'élastique qui maintenait, c'est bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Allez, je vais faire comme d'habitude. Alors ici, pour mon arrondi, vous voyez, je vais pas mettre ma colle tout de suite. Je vais mettre ici mon petit point de colle et je vais rabattre ici comme ça, vous voyez, pour que ça fasse. Donc ici, hop,
je rabats et voilà, je colle tout de suite. Et hop. Et voilà. Ah, du coup, elle s'est défoncée. Donc on pince, hop. Non. Voilà, vous voyez, hop. Et on termine ici. Et je vais pareil, je vais rabattre ici un petit côté. Vous voyez, pour, Et voilà. Ça, c'est pas joli, par contre. On va faire là. Voilà. Ici, là. Alors, on va couper un petit peu. Et ma petite fleur s'est décollée. C'est pas grave, on va recoller. C'est juste le petit bout là qui m'ennuie là. Bon, allez, on va mettre un petit point de colle là. Allez, hop. Et voilà. Voilà, ça ne se voit plus. Vous voyez? Hop, comme ça, ça fait un petit arrondi. C'est mignon. Bon, maintenant, je vais recoller ma colle parce que c'était pas assez chaud. Hein. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, on va coller donc notre petite fleur ici au dos. Voilà. Attendez, c'est bien l'endroit. Ouais. Je vais mettre comme ça. J'arrive pas à voir le côté. Non, c'est comme ça. Voilà. Bon, moi, je mets toujours une petite fleur au crochet. Enfin, toujours. En général, j'aime bien. Vous voyez, mettre une petite fleur au crochet. Après, on peut mettre un petit embellissement. Hein. Après, on met ce qu'on veut. Hein, vous voyez? Alors, je vais remettre une petite fleur au crochet. Où elles sont? Elles sont là. Je crois que j'en avais encore une petite. Ah oui. Une petite là. Ici avec une petite perle. Oui, c'est mieux comme ça que la petite perle. Ouais, c'est mieux. Puis comme ça, on reste dans les tons. On reste dans les tons de rose. Voilà. Voilà.
Et comme ça, on a notre petite finition. Attendez, je vais. Voilà. Voilà, regardez. On a un petit embellissement, vous voyez? Avec nos petites. Comment? Nos petites. Notre pâte action. Enfin, je vais dire notre petite moulure. Voilà. Nos petits moulages. Ah, bah, décidément, hein, écoutez. Oh, c'est pas vrai, ça. Hein? Oh là 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 là. Bon, allez, voilà, comme ça, ici. Là. Et voilà. Eh bien, écoutez, vous savez ce que je vais vous dire? Non, je ne vous le dis pas. Je vous dis pas, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ce petit moment de partage vous a plu? Bon, moi j'ai passé un super bon moment avec vous. Et puis bah, bien sûr que j'espère que ça vous plaira. Hein? Voilà. Donc, bah, voilà. Bah, écoutez, là, c'est sûr que la prochaine fois, ce sera une carte. Ah oui, là, c'est sûr. Hein? Et puis, bah, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous fais des énormes gros gros bisous.